Vous pensez que c'est le tueur aux origami qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. Vous voulez sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main? Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais... ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasses. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Je suis pas un cordon bleu, et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. Décidément, cette fille a du cran. Pauvre Manfred. On venait à peine de trinquer à nos retrouvailles. On peut pas dire que ça lui a rapporté bonheur. J'espère que j'ai pas laissé de traces dans le magasin de Manfred. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est de devoir fournir des explications à la police. Il faudrait peut-être que je m'occupe de préparer ces œufs brouillés. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Être comme chez vous. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une 30aine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps... ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, mais attendez. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les 2 listes. Oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier.